Hyundai, c'est la marque au nom le plus souvent écorché quand on l'écrit. Ah bah oui, c'est pas simple à écrire un Hyundai. Bon, après moi j'ai appris à l'écrire puisque j'en possède une, évidemment. D'après cette enquête anecdotique mais amusante du site britannique, la marque la plus mal orthographiée sur le web est Hyundai, avec 2 249 400 erreurs par mois. Le plus souvent écrit Hyundai, sans le Y, du coup, avec 799 000 recherches par mois, elle est également sous d'autres formes. Hyundai, donc sans le U entre le Y et le N. Et Yundia, putain. T'as aussi le Y qui est après le U, 182 000. Vient ensuite Volkswagen et Porsche, avec respectivement 1,15 et 1,01 million de fautes. Au niveau des dénominations des modèles, c'est Range Rover qui semble poser plus de problèmes. Pourtant, c'est pas super compliqué. Suivi de Hyundai Tucson et de Porsche Cayenne. Heureusement, les moteurs de recherche corrigent automatiquement les noms écorchés. Effectivement. Est-ce qu'il y a un classement complet ou non, il n'y a pas. Bon bah voilà, écoutez, non assez enfin, enquête assez amusante. Et j'espère que vous savez écrire Hyundai quand même. C'est une bonne marque. Allez, ciao. Alors pour le coup, avant de vous quitter, Hyundai et Kia, c'est des cousins, c'est le même groupe. Alors Kia, c'est ça doit être le plus facile à écrire finalement. Hyundai, c'est le plus dur, et Kia, c'est le plus facile. Marrant ça. Allez, ciao.